Prologue. 1°5. Cela ne représente pas, ici, l'augmentation maximale de température que l'humanité s'est autorisée d'ici 2100, à l'échelle de notre chère planète bleue. 1°5 dans ce roman, ce n'est pas ce seuil, un peu inquiétant certes, au-delà duquel le changement climatique sera irréversible, et le possible deviendra fatalité, nécessité, prophétie enfin réalisée. C'est même exactement le contraire. 1°5 ici, cela représente l'écart différentiel entre la réalité historique, présentée comme une fatalité, et l'espace des possibles, celui qui est toujours ouvert, toujours vivant, toujours inédit. 1°5 dans ce roman, cela représente l'angle d'inclinaison que j'ai envie de faire prendre à la réalité que je décris par rapport à l'histoire officielle de John Lilly, ce neurologue qui a ouvert une brèche dans le champ de l'étude des dauphins, et qui pourtant n'a pas été reconnu pour ses travaux, certes un peu originaux. Il faut dire que toute l'aventure que John Lilly a menée avec les Turciops a été clairsemée d'erreurs de jugement ou d'ignorance physiologique qui ont abouti à un profond non-respect de l'intégrité des dauphins. Et en même temps, puisque les choses ne sont jamais l'une ou l'autre, l'enseignement que l'on peut tirer de cette expérience est, à mon sens, magistral. Il faut dire aussi que les recherches de Lilly sur lui-même, dans son caisson d'isolation sensorielle, puis avec les molécules chimiques, ont largement, et bien malheureusement, contribué à discréditer l'intégrité scientifique de ses recherches sur les dauphins. Et en même temps, c'est paradoxalement grâce à elle que le scientifique a réussi, à mon sens, à corriger petit à petit les écueils de sa recherche éthologique. Pourquoi réécrire cette histoire, me demanderez-vous? Et qui plus est, de manière romancée, en trichant sur la réalité parfois, voire en inventant des pans entiers de l'histoire. Comme s'il n'y avait qu'une histoire, qu'une seule direction, linéaire et indubitable à l'histoire, plutôt qu'une gerbe d'histoires qui partent en tous sens, à chaque instant, et qui dessine l'arbre des possibles. Imaginons, pour nous amuser un peu, que nous décidions de redessiner l'histoire commune, à partir d'un événement précis du passé, en lui faisant prendre, de manière volontaire, un angle d'inclinaison d'1°5. Il vous suffira, pour saisir cela, de prendre un simple crayon de papier, et de tracer, par rapport à une horizontale qui pourrait symboliser notre histoire, du moins selon la vision linéaire largement acceptée, une autre droite qui prendrait ainsi naissance en un point choisi de la ligne, sous l'impulsion d'un léger écart d'1°5. Au bout de quelques centimètres, quelques mois peut-être, vous verriez déjà une différence signifiante entre les deux lignes. Au bout d'un mètre, peut-être un siècle, il n'y aura plus rien de comparable. Les deux lignes seront trop éloignées l'une de l'autre pour être commensurables. Je vous propose de fixer le point d'origine de cette réécriture de l'histoire au tout début du mois de mai 1953, en plein océan Atlantique, entre l'État de Floride et les îles Vierges de Saint-Thomas. Je vous propose de reconsidérer l'histoire de Pita et de Tahi, de Peter, de Pamela, de Sissi et de tous les autres dauphins qui ont participé, chacun à sa manière, à l'histoire de John Lilly et de son étudiante Margaret Howe. Des mois entiers de leur vie, voire des vies à part entière, ont été consacrés à cette expérience aussi cruelle que géniale, tenter d'entrer en communication avec une espèce si différente de la nôtre. Je vous propose de réinventer cette histoire, qui s'est finie de manière tragique, en lui impulsant une inclinaison d'1°5. Pas grand-chose au début, un iota tout au plus. Et puis... Mais pourquoi ferons-nous cela, me demanderez-vous encore? Peut-être pour rien, pour s'amuser, pour se divertir. Et peut-être qu'au passage, nous apprendrons quelque chose d'essentiel, d'inestimable, d'ineffable. Peut-être qu'en comparant, au jour d'aujourd'hui, ces deux histoires, si peu éloignées l'une de l'autre au départ, nous réaliserons à quel point une simple réécriture insignifiante peut modifier toute la structure de notre perception du monde et ainsi changer la face du monde, la face de notre monde, celui dans lequel nous vivons, celui dans lequel parfois nous nous enfermons, comme nous enfermons nos amis dauphins dans des bassins. Alors peut-être serons-nous tentés, diablement tentés même, de vouloir construire des ponts, dresser des viaducs, recouvrir des océans, afin de rejoindre cette réalité, aujourd'hui éloignée de nous d'un peu plus d'1°5. Qui sait ce qui arriverait si nous y parvenions ?